Et c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Béate Skaito. Bienvenue Béate. Merci. Je rappelle que vous êtes naturopathe, donc vous intéressez à la personne humaine dans son ensemble. Oui. Et aujourd'hui, on va parler intériorité, esthétique oui. intérieure, la beauté intérieure, comment renforcer oui. cette beauté intérieure. Oui, parce que dans mes recherches pour aller bien moi-même et pour aider d'autres à aller bien ou à aller mieux, j'ai l'impression que finalement, la seule manière possible pour ne pas avoir l'impression d'avoir un chantier tellement grand qu'une vie ne suffirait même pas à en venir à bout, j'en suis venue à me dire que, alors ça vient pas seulement de moi, d'autres l'ont dit et ça m'a beaucoup parlé et je l'expérimente. Et j'ai l'impression que renforcer ce qu'on a de meilleur en soi, ce qu'on a de plus beau en soi, ou le faire venir si on a l'impression qu'il n'y a pas de beauté en nous. D'ailleurs, je ne pense pas que ça puisse être vrai. On a toujours de la beauté en nous. Mais en tout cas, la renforcer. Et en fait, ça me vient du fait que quand on regarde le monde extérieur, donc quand je parle du monde extérieur, c'est par rapport à soi-même. On regarde ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement immédiat ou sur une grande échelle. On constate un certain nombre de choses qui nous plaisent ou pas et qui sont difficiles à vivre parfois directement ou indirectement, selon qu'on les subisse ou simplement on les voit. Et on peut être complètement découragé de ce qui se passe, à se dire, mais comment est-ce que ça peut changer? Ça a une ampleur tellement grande, et moi je suis si petit, qu'est-ce que moi je peux faire là-dedans? Et on peut avoir l'impression qu'on ne peut rien faire du tout. Et d'une certaine manière, ça peut être vrai, là tout de suite, mais d'une autre manière, en réalité, je pense que si on s'attache à changer en nous et notamment notre regard, dans ce cas, on contribue à changer le monde. Et je suis persuadée, et ça c'est vraiment profondément en moi, que tous les changements qu'on arrive à initier en nous, tout, que ce soit juste le regard ou même de venir à bout de difficultés qu'on a nous-mêmes, de défauts qu'on a l'impression d'avoir, d'addiction qu'on peut avoir, etc., contribue à améliorer quelque chose dans l'humanité, dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase extraite du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry ? L'essentiel est invisible pour les yeux. Oui, certainement. On ne voit bien qu'avec le cœur. Certainement, oui. Alors, ne voir bien qu'avec le cœur, j'en suis sûre, oui. L'essentiel est invisible à nos yeux, oui, certainement, et peut-être pour longtemps, ou je sais pas, après je sais pas trop quoi en faire comme ça, mais oui, c'est vrai, je pense que, comme je l'ai déjà dit, on ne sait pas pourquoi on vit ce qu'on vit, ou pourquoi les autres vivent ce qu'ils vivent. Nous, on a notre regard critique en se disant ça ne devrait pas exister, c'est pas normal, etc. C'est-à-dire avec le champ de conscience qu'on a au moment où on l'exprime. Voilà. Avec le exactement, niveau de conscience. Oui. Donc, on ne peut pas, en réalité, à un moment, on se rendra compte qu'on ne peut pas en juger. Parce que si l'autre en est là où il en est, c'est que quelque chose l'a amené à ça et ça fait partie de sa réalité. On ne peut pas nier ça. Alors, on peut le trouver injuste selon nos critères à nous. Mais lui, selon ses critères à lui, ça, c'est peut-être exactement ce qu'il lui faut. Il en a peut-être conscience. Ou alors lui aussi le trouve injuste et voudrait y remédier et peut mettre en place des choses pour y remédier. S'il s'attaque à ses difficultés à lui, il peut y arriver. Mais s'il est persuadé qu'il est victime et qu'il y a des bourreaux, alors là, je pense qu'il a du boulot puisque cette vision-là, je ne pense pas qu'elle permette d'aller mieux. Alors justement, quel est le regard de l'altérité ? Puisque pour prendre conscience de choses en nous à changer, qui doivent être transformées, quelle est la part d'un tiers ? Il y a la vie, effectivement, il y a les événements de la vie qui nous aident à prendre conscience de certaines choses, mais quelle est la part d'un thérapeute ou d'une tierce personne dans ce contrat, dans cet échange, pour conscientiser en fait les choses ?
Je pense qu'on peut se tourner vers une personne extérieure quand on a l'impression de tourner en rond, de ne pas trouver d'issue, de ne pas comprendre pourquoi on vit quelque chose, pourquoi on ressasse toujours la même chose, pourquoi on refait toujours le même schéma. On sait qu'on ne doit pas et pourtant on le refait tout le temps encore et on est en souffrance. Donc je pense que cette souffrance-là est peut-être le déclencheur alors pour s'adresser à quelqu'un d'autre et pour que quelqu'un puisse porter un autre regard sur ce qu'on vit et nous ouvrir davantage à quelque chose qu'on n'arrive pas à voir. Et dans ce cas, c'est une aide énorme puisque ça nous permet de relancer quelque chose et de repartir de quelque chose de différent. Et on peut vraiment beaucoup aller mieux intérieurement parce qu'on aura de nouvelles clés et on pourra les essayer. Ça participe, je pense d'ailleurs, à ce que je comprends moi, de renforcer ce qu'il y a de beau en nous. C'est qu'importe la raison pour laquelle on a certaines difficultés, je ne pense pas que ce qui nous aidera réellement, c'est de savoir pourquoi on les a, mais de savoir comment en sortir, comment faire en sorte qu'elles ne pèsent plus, qu'on ait peut-être simplement de la patience par rapport à eux, puisque parfois ce sont des difficultés tellement grandes, tellement grosses, et qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut que s'armer de patience dans ce cas. Et par contre, avoir un autre regard dessus peut nous aider à trouver cette patience-là. Quel est le rôle de la parole, justement ? Parce que vous avez parlé de regard, et on a parlé d'altérité, mais la parole, puisque vous parliez de renforcement positif, est-ce qu'un tiers n'a pas aussi son rôle à jouer dans la formulation, en termes positifs et constructifs, d'un changement possible ? Oui. Oui, je pense, effectivement. Mais moi, je vois la parole... Et puis le sujet à les intérioriser aussi. Oui, et par contre, moi, je constate que exprimer quelque chose permet de jeter un nouveau regard dessus aussi. Donc, en tant que personne en souffrance, si on arrive à verbaliser cette souffrance, ou même si on ne verbalise pas la souffrance elle-même, en tout cas ce qu'on en comprend de la situation, de ce qu'on vit, nous permet de jeter un nouveau regard dessus et parfois de comprendre quelque chose qu'on ne comprenait pas auparavant. Et c'est là que la tierce personne est intéressante ou importante parce qu'elle nous permet de jeter ce nouveau regard dessus. Et après, avec le regard que cette personne a sur ce qu'on vit, sa compréhension, son regard, à partir de son expérience à elle, va de nouveau nous amener autre chose, si tel est le besoin. Puisque après, parfois, c'est l'écoute simplement qui est nécessaire. Ce n'est pas une prise de parole réellement. Ça dépend en fait des deux personnes, je suppose, mais... les deux peuvent être très aidants, donc bien sûr, c'est quelque chose qui apporte beaucoup. Moi, par exemple, en m'exprimant maintenant là-dessus, je fais aussi des prises de conscience. J'ai aussi quelque chose qui se passe intérieurement qui est dû au fait de la prise de parole. Et ça m'amène beaucoup, même si... Là, tout de suite, je ne vais pas le remarquer, mais après, en réfléchissant à ce que j'ai dit, à ce que j'ai préparé, etc., quelque chose se passera aussi qui s'ancrera davantage en moi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre, effectivement, de l'existentiel, au-delà de l'aspect esthétique, puisque vous avez abordé la chronique avec l'aspect beauté intérieure, au-delà même de l'aspect moral ? Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un développement, d'un progrès, d'une croissance ? D'aller plus vers une forme d'authenticité, puisque finalement, la notion de beau, est-ce qu'elle n'est pas subjective ? Deux personnes vont peut-être regarder le même tableau, une personne va apprécier l'esthétique, ça va lui parler, et une autre, au contraire, ne va pas être touchée de la même façon, il ne va pas y avoir le même écho, va peut-être même trouver que les couleurs ne sont pas bien choisies, les formes, les perspectives. Est-ce que tout ça, ça ne reste pas dans un objectif de vie, au fond, au-delà de l'aspect purement moral et esthétique ? Voilà, pour résumer ma question. Alors, de toute façon, de la manière dont ça nous touche à l'intérieur de nous sera toujours déterminant.
qu'on ait un regard différent sur quelque chose est juste et il faudrait l'accepter parce qu'on est tous très différents et on a une sensibilité différente qui fait que le regard qu'on porte est différent. Mais la référence, je dirais, c'est toujours notre perception à nous, tout en essayant d'accepter celle de l'autre aussi, puisque personne ne détient la vérité et on aura toujours des différends comme ça à accepter, tout simplement. Est-ce que c'est pas à nous de nous laisser mettre en mouvement par la vérité, justement, par la vie, c'est-à-dire de faire ce pas de côté qu'elle nous invite, comme un bateau qui est poussé par un vent, à avancer, parce que ce regard-là, finalement, il est évolutif en permanence. Oui. C'est-à-dire ce qui a pu être vrai momentanément ou ce que j'ai pu trouver beau à un moment donné n'est peut-être pas forcément le même référentiel quelques mois, quelques années plus tard. Oui, bien sûr. Je pense que la vie, d'ailleurs, interfère constamment dans ce que nous, on voit de notre vie. Donc, il y a toujours des événements extérieurs qui vont nous permettre d'avancer davantage. Et parfois, on ne trouve peut-être aucun lien a priori. Et puis, c'est a posteriori seulement, et peut-être parfois des années après, qu'on fait des liens et qu'on continuera peut-être d'en faire encore pendant des années. Donc, bien sûr que la vie interfère constamment et nous aide à avancer. Et je pense que si on ne sait pas comment avancer, eh ben, au contraire, arrêtons-nous et regardons et observons ce qui se passe à l'intérieur et observons ce que la vie est peut-être en train de nous apporter, puisque c'est peut-être elle qui va déclencher ce que nous, on ne sait pas déclencher. Il faut dans ce cas la patience, savoir attendre et se dire, même si j'ai l'impression de devoir agir tout de suite, je vais attendre parce qu'il me manque un élément qui me donne l'élan pour amorcer quelque chose dans une direction. Puisque parfois, ça peut être tellement difficile qu'on n'a aucune idée, on ne sait vraiment aucune direction, on est vraiment tellement perdu, on n'a aucun point de repère. Qu'on peut être très mal intérieurement d'ailleurs, puisqu'on peut avoir un sentiment d'urgence et sans savoir ce qu'il est possible de faire. Si on a déjà une forte connexion intérieure par rapport à une forme de guidance, on va dire, on va peut-être se lancer, on aura l'impression d'aller à l'aveugle et puis on rectifiera si jamais on a l'impression de se tromper, mais on peut aussi simplement ne pas bouger et attendre, se dire j'ai confiance dans la vie et j'attends qu'elle me montre quel est le prochain pas à faire. Alors pour cette beauté intérieure en fait dont je parlais, que je pense qu'il faut renforcer pour que ça se reflète à l'extérieur, puisque pour moi, le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc si c'est dissonant à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a des dissonances intérieures, mais on ne sait pas toujours comment les lever. Comme je disais tout à l'heure, on peut être complètement perdu dans ce changement qu'on aimerait initier. On ne sait pas par quel bout le prendre. Alors je pense qu'on peut se tourner en soi et chercher l'élan qu'on a de quelque chose qu'on sait faire. Moi, je sais peindre, moi, je sais parler, je sais donner. J'ai envie de faire le tri dans mon armoire, j'ai envie de donner. Envie. Oui, l'élan, ouais. C'est peut-être... Quelque chose de l'ordre du désir, là. Voilà, ouais. C'est quelque chose, c'est un élan intérieur vers quelque chose de positif qui nous donne une forme de joie. Et on n'a peut-être pas besoin de penser plus loin que ça. On aimerait peut-être aller directement au problème qu'on a identifié. Et en réalité, on va peut-être passer par quelque chose de différent qui n'a rien à voir ou qui semble ne rien avoir à voir. Et finalement, on peut se rendre compte que c'est ce chemin-là qu'on vient de prendre qui nous a permis de nous apaiser intérieurement, d'avoir de la distance par rapport à ce problème qu'on voyait gros comme une maison et qui finalement, il n'est pas si gros que ça. Et puis d'ailleurs, il est déjà en train de changer, ou c'est notre regard intérieur qui a changé. Et on se retrouve souvent dans une situation où on s'accompagne soi-même sans savoir vraiment où on va. Et c'est très bien. En fait, on se sent mieux, effectivement, quand on a des repères, quand on a quelque chose de solide sur quoi s'appuyer. Mais il y a des moments dans la vie où on a l'impression qu'il n'y a rien de tout ça, qu'on est sur un fil et qu'on a juste, on a l'impression qu'on peut tomber au moindre pas.
Et dans ce cas, bah, il faut essayer d'avoir cette confiance et même de ne pas s'occuper directement de ça, mais de s'occuper de ce qui nous met en joie, de ce qui nous apporte quelque chose. Je vais déjeuner avec quelqu'un qui va... ce moment me plaît particulièrement et je vais laisser le reste de côté parce qu'il n'y a que ce moment-là qui comptera. Donc à ce moment-là. Prendre soin de soi sans partir dans un égo trip, hein, c'est-à-dire n'être centré que sur sa personne, c'est quand même essentiel de savoir ce qui nous correspond afin de pouvoir partager avec d'autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs en essayant d'être dans le care, dans le soin pour les autres, mais c'est en négligeant soi-même, c'est ça ? Oui, en fait, il n'y a pas d'égoïsme dans cette manière de fonctionner parce que si on s'occupe de soi... d'une manière correcte, on va dire, on est capable aussi d'être davantage présent pour les autres, alors que si on ne s'occupe pas de soi, on se néglige, on va dire, pour n'aider que les autres, on va épuiser nos batteries. Comment est-ce qu'on va alimenter ce qu'il y a en nous si nous-mêmes ne nous en occupons pas, puisque on ne va pas forcément trouver quelqu'un d'extérieur qui va dire « je vais bien m'occuper de toi, je vois que tu as besoin de moi », même si ça peut arriver et que ça peut vraiment nous aider et nous donner un élan incroyable. Mais on a besoin avant tout de s'occuper de nous pour être en bon équilibre intérieur et être présente pour ce que l'autre a besoin, les autres, le monde a besoin. Donc on renforce en fait ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met en joie, ce qui nous donne de l'amour et qui nous donne de l'élan pour aller vers l'autre. Et le monde extérieur, mais immédiat déjà, va changer dans ce cas. Et c'est ça, le plus important, c'est ça. C'est mon monde immédiat, comment est-ce que je peux faire pour être plus en accord avec lui, en renforçant ce qu'il y a de bon en moi, tout simplement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Beat Kaito, naturopathe, pour cet éclairage sur ces éléments qui nous permettent d'avoir ce renforcement de la beauté intérieure. On vous souhaite une belle semaine, justement. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.